Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans ce 15e épisode du Let's Play d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau, le préquel de Zelda Breath of the Wild. On reprend notre aventure après la grosse bataille d'Akala qui était extrêmement classe. J'ai vraiment beaucoup aimé avec le jeu qui se complexifie petit à petit. On a toujours énormément de secondaires à faire, qu'on fera je pense très certainement à la fin. Même si ça pourrait nous aider à avoir plus de cœur, avoir des meilleures armes, etc. Mais pour l'instant, on s'en sort. Comme ça, c'est pas trop simple, c'est pas trop dur. Donc je trouve qu'on est plutôt bien. On a Lara qui a lâché des beats, qui dit salut Sif, j'espère que tu vas bien. Enfin, la suite que j'attends avec impatience, avec mon petit cheers habituel. En live à tous, en tout cas, et bonne rediff à YouTube. Merci beaucoup, Lara. Merci beaucoup. Donc, avant d'aller sur la bataille ou quoi que ce soit d'autre, on va déjà valider les petites quêtes qui, par contre, sont validables. Tant qu'à faire, on va se les faire maintenant. Histoire d'avoir des choses, on a plein de petites choses là pour Zelda et tout, donc on est plutôt bien, voilà. C'est vrai que je regarde peut-être pas assez les trucs, mais est-ce que j'ai des choses à faire? J'ai un truc à faire ici. On a les quêtes secondaires, bien sûr. On va peut-être se tenter une quête secondaire, histoire de se chauffer un peu, comme d'habitude. Mais autrement, est-ce qu'on a des quêtes par là? Non. Est-ce que je vois des trucs briller? Oui, je vois des trucs qui brillent ici. On va faire ici, ça c'est pour Riju, ça, non? Ouais, c'est Riju ça. Ok, Riju. Ok, on a celle-ci également. Vas-y, faites-les. Comme ça, les contrées Gerudo augmentent petit à petit. Regardez, ah, la contrée Gerudo a augmenté. C'est bon. On a ça, on a ici encore, et on a plein de choses. Faisons-les. Ok. Et je crois qu'on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme petite quête? Est-ce qu'on fait la quête du robot? Je pense, hein. Ah, bah, je peux pas la faire. Je peux pas la faire, j'ai pas les ressources. Donc on va plutôt faire celle-là. Il faut être niveau 12, vas-y, on va les défoncer. C'est juste histoire de se chauffer un peu sur les commandes et tout. Comme d'habitude. Et comme ça, ça nous fait une petite quête qui avance, tranquillou. Et ensuite, on part défoncer la suite de la quête. On va voir ça. Cryonis, toujours avec le petit château qui a changé un petit peu. Il commence un petit peu à changer et tout. Donc ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Fais un combo Y plus Y avec X sans relâcher le bouton X, et dès que l'épée redevient bleue, relâche pour faire un super coup. On va tester. Il y a des gens qui ont essayé de me donner des petites astuces de combo. Donc on va voir ça. Attendez, on s'aligne bien. Regardez, on est là. On est parti. Alors attention, qu'est-ce qu'il faut faire? La recherche du soldat porté disparu de ses alliés. Aider. Donc attendez. Ouais, déjà là on fait des trucs. 1, 2, 3. C'est dur à chaque fois de faire. 1, 2. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a. C'est vrai que pour le coup. Mais c'est vrai qu'après c'est des trucs moins intuitifs donc je les fais pas forcément. Mais en vrai, il y a tellement de choses à faire qui sont ultra stylées. Alors, déjà on va se débarrasser du Moblins. Il faut qu'on aide le capitaine Ilien et ses alliés. Bon, on en a un qui est pas loin déjà. Voilà. Le capitaine Ilien, il est où le capitaine Ilien? Il y en a un qui est par là-bas. On va l'aider, il est où? Ah, Capitaine Piaf, déjà. Alors, déjà. Mais c'est vrai, j'avoue que là, on a fait des trucs qui étaient plutôt... Merde, j'ai pas fait le bon... J'ai pas fait le bon linké dans le mauvais sens. Hop, regardez un petit peu les belles attaques. Hop. Et là, du coup, c'est comme ça, tu fais le coup point faible. Ok, nice. Donc, on a aidé un capitaine. Bon, après, voilà, c'est vrai que... Les combos sont très cool, ils sont à prendre en main, hein, très clairement. Parce que sinon, après, tu te retrouves vite à ne réfléchir plus que par ça. Donc je veux quand même faire gaffe à ça, mais c'est normal qu'il soit solo, là. Ah, d'accord. Ok, l'Oxyliga. Hop, mais c'est vrai que quand t'arrives à enchaîner des trucs sympas, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, hop, et X. Et ensuite, l'attaque, tu fais... L'attaque spéciale. Merci Anaïs. Hello, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un de tes lives. Eh bien, bienvenue Anaïs. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, le dernier est par là-bas. Allons-y. Il est juste ici, normalement. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, déjà, cette attaque est stylée. Hop. Il est là-bas. On y va. On va pouvoir utiliser l'attaque spéciale. Attention à sa vie, quand même. Bonjour. On fait l'attaque spéciale directement. Et c'est bon. C'est presque bon. C'est bon, un Moblin de foudre apparaît sur le champ de bataille. Il est où? Il est là. Non, j'ai pas utilisé mon truc. Dommage.
Dommage, 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 dommage. Attention. Oh là là, la petite esquive qui passe bien. La petite esquive qui passe bien et le coup point faible qui passe. Et ben voilà. Petite quête secondaire, tranquillou. Alors c'est vrai que quand tu te retrouves niveau 40 et que tu te retrouves sur une quête qui est niveau 12, tu l'as fait assez vite. Mais c'est aussi pour ça que je pense que le secondaire, il y a des parties du secondaire qui vont se faire quand même assez, assez bien. Qui se feront assez bien, je pense. On verra. Tout comme ça, niveau 47. Donc bon. Et on se fait 600 rubis en plus, c'est très bien. On est bien. On a récupéré une louche. On récupère de la bouffe, on récupère des coiffes, on récupère plein de choses. Bon, allez. Du coup, on va partir en direction de la quête. Je pense. Hein. On va partir en direction de la quête, histoire d'être bien. Est-ce que malgré cette nouvelle timeline, Roa meurt aussi? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. On va voir. On va voir. Moi, déjà, je ne sais pas pourquoi je mets une petite piécette sur le fait de pouvoir le jouer si jamais il n'est pas mort. Parce que on a vu une scène qui ressemblait quand même fortement à un sacrifice. Alors on a un truc là, mais qui est niveau combien? Ouais, niveau 40, vas-y, ça va être une mission longue. On va plutôt partir directement ici. Bataille de la muraille des limites. Ça peut être extrêmement classe. Ça peut être extrêmement classe. Est-ce qu'on prendrait pas plutôt... On va quand même prendre Révali, je pense, histoire qu'il XP bien. Bon, elle est niveau 9, c'est pas ouf. Enfin, elle fait 20 d'attaque. Moi, mon épée, elle est niveau 19. On va prendre un plat qui donne, comme d'hab, plus d'XP. Ah, j'ai pas de quoi prendre le truc qui donne plus d'XP. Malheureusement, bah, gain d'expérience, on va prendre l'œuf. Gain d'expérience, plus 5%, parce que ça donne combien? Non, voilà. Module chez canon de cœur, plus 3 en début de bataille, après le reste. Ok. On est parti. On va voir ce qui va se dire et se passer. Joignant leurs forces à celles de Mipha et Sidon, nos héros parvinrent à libérer la forteresse. Ils y découvrirent Pharas, qui avait échappé de justesse à la prise du laboratoire par le gang des Yiga. Pharas leur apprit que Prua avait fui le laboratoire en même temps que lui et s'était dirigé vers la muraille des limites, dans la région de Nekluda. Mais cette fortification n'avait pas été épargnée par les assauts ennemis. Link et ses compagnons quittèrent la forteresse d'Akala pour prêter renfort à la muraille des limites. Mais en leur absence, qui prendrait le relais pour contenir les vagues incessantes de gardiens en provenance du château d'Hyrule? Intéressant tout ça. Intéressant. Allez, on est parti. Je sens que ça va être très stylé. Oh là là, regardez-moi ça. Oh la vache. C'est un véritable cauchemar. Mettre fin à ce cauchemar, c'est la mission qui nous a été confiée. Mais ils sont bien trop nombreux. Tu as traversé le temps pour venir me sauver. C'est grâce à toi que je suis en vie. Et Naboris peut accomplir sa mission. Tu verras, ensemble nous y arriverons. C'est entendu. Bien répondu. Alors, on y va. Donne-moi la main et ne la lâche pas. D'accord. Ils sont mignonnes. C'est pas bon vivre en Hyrule. Ah, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, je dirais. Alors, on va commencer avec... Est-ce qu'on l'avait déjà contrôlé? Je sais même plus. C'est terrible, je sais même plus si on l'avait déjà contrôlé. Oui, oui, il me semble, oui. Ah oui, oui, si. Avec le coup de tonnerre, comme ça, si, on l'avait déjà contrôlé. Alors. On est parti. Nouvel objectif. Ouais, on va se débarrasser d'eux. On va se débarrasser d'eux. Et on va faire ça. Merci Dracofire, ça a changé Zedla, c'est devenu Seigneur Zano maintenant. Oh là, n'exagérons pas. Là, c'est juste que là, c'est une grosse bataille. Attention, attention. On va refaire la tempête électrique. Ah, je peux pas tout de suite. Je peux me faire lui, mais... Je peux pas me faire lui. C'est bon, je le touche. Ok, lui là-bas. Lui en bas. Donc, je le fais. Je peux pas me le faire, réinitialiser le viseur, c'est bon, là.
Hop. C'est lui. Il en reste un ici. Ok. On a du temps, on le voit, on a du temps. On a bien ralenti leur avancée vers la muraille des limites. Tu es de bonne compagnie. Très bien. Elle est de bonne compagnie. On va se débarrasser des ennemis un petit peu en même temps. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Ok, il y a des ennemis ici. On va s'en débarrasser. Aïe. Tout ça, c'est des hordes d'ennemis. Une immense horde de gardiens apparaît sur le champ de bataille. Oh oh. Oh, oh. Ce serait bien qu'on ait de quoi les... On est de quoi les contrer. Et pour ça, il va me falloir buter des ennemis. Attention, attention, il commence à arriver là-bas. Il y a beaucoup de monde. Oh la vache, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On va se débarrasser d'eux là. Éliminer beaucoup d'ennemis, faut que j'élimine 30 000. 30 000 ennemis. Ah d'accord. Genre, on en est là. Je dois éliminer 30 000 mecs. C'est une vaste blague. On est sur la fat bataille là. Comment ça, 30 000? Excusez-moi. Excusez-moi. Ok, très bien. Vous voulez faire ça? On va faire ça. Ok. Alors là, le but, là. Ça va être d'un peu buter tout le monde, là, pour le coup. Oh la vache. On est à 7000 KO. On a déjà éliminé la horde de gardiens. Là, bon, on va faire ça. Ok. On a encore, un gardien ici, là, ouais. J'ai toujours envie. On va se le faire. Destruction d'Hyrule là. Ouais, là on se fait masser nuit. On va aller de l'autre côté, on va aller par là-bas parce que là-bas on voit qu'il y a encore des ennemis. Nous avons ici là-bas. On va laisser les faire, on va laisser les faire ici. Ça va, la map nous indique bien ce qu'il y a à faire. J'espère qu'en termes de timing ça ira, mais je pense que oui. Je pense que ça le fera en termes de timing. On va se débarrasser d'eux. On va ensuite aller toujours par là-bas. Ici on en a plein. Ici on en a plein également. Vas-y, 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 vas-y. Un autre gardien et ses alliés apparaît sur le champ de bataille. Ok, de l'autre côté. On va aller se les faire, mais d'abord on va se faire eux pour recharger du coup toutes nos batteries de... à défoncer. Et comme ça ensuite, attention. Comme ça ensuite on sera bien. Attention, 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 ils m'ont bloqué. C'est ça. Très bien. On va recharger notre attaque spéciale et ensuite on va se faire tous les gardiens. D'abord je fais tout ce qu'il y a sur la map. Histoire qu'on soit bien, bien, bien. Là, il y en a plein. Ok, 13 000. 13 000, il nous reste 4 000. Attention quand même, parce qu'on pourrait vite se retrouver possiblement dépassé. En termes d'ennemis, j'ai l'impression que ça peut repop un peu. 15 000. Allez. Là, vous voyez, je peux plus utiliser par exemple. Ah, je peux charger si je veux, mais. En vrai, charger, c'était peut-être pas forcément la bonne idée. C'était peut-être pas forcément la bonne idée. En revanche, je pense que ce qui est une bonne idée, c'est ça tout de suite. Là, faut qu'on élimine tous les gardiens. Ok, débarrassez-moi ça, débarrassez-moi ça, débarrassez-moi ça, débarrassez-moi ça, 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 ça. Ah, je peux pas aller plus loin, merde. Ah merde, je pouvais pas aller plus loin. C'est pas grave, on va se les faire comme ça. On est à 17 000. On a des sorciers par là. Ils donnent plus de mal que je pensais. S'ils nous encerclent, c'est la fin, il faut tenir. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, 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 t'inquiète. On va faire coup tonnerre. Ça, je les débarrasse, 18 000 KO, on est pas mal. On tire ici, 20 000 KO. Hop. Allez, 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 allez. On va péter ça. On va venir ici ensuite. On va refaire la tempête. Je peux pas. Non, je peux pas la faire pour l'instant, la tempête. On va faire le pas de charge. Voilà, on va défoncer tout le monde. On est à 22 000. C'est pas dégueu. On commence à être pas trop mal. On a pas. Donc pas mal d'ennemis. Il faut que j'aille là où il y a des groupes d'ennemis, hein, très clairement. Il faut que j'aille là où il y a des groupes d'ennemis. Genre ici. 23 000. Faut vraiment se fier à la carte, on a beaucoup de gardiens qui arrivent par contre. Et attention à pas se faire encercler. On a l'attaque spéciale si on veut. On va aller par là. Oh là là. Ici. Ici. Ouais, je sais que si j'appuie sur elle, j'ai un bouclier, c'est vrai. On va se faire tout ça là. Tout ça là-bas. Tous les ennemis, tous les ennemis, tous les ennemis. Tous ceux ici. On les fait. Donc, il y en est pas mal. Ouais, si j'appuie sur elle, c'est vrai que j'ai un bouclier. On est à 25 000, il reste 2 minutes 30, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, 26 000 en termes de vie, je suis pas trop mal. Alors après, à voir s'il va pas m'arriver un truc ou quoi. On a des ennemis par là-bas, on va foncer par ici. Go, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens là. Ah la vache. Ceci dit, je leur rentre dedans. Je leur rentre dedans bien là. On y va, ici, on va faire le bouclier. Il va toucher tout le monde. On passe à 29 000. Allez, on est bien, il reste des ennemis par là-bas. Go, go, go. Merci Elise, merci beaucoup. Merci pour ton sub avec Twitch Prime en plus. Merci beaucoup, merci énormément. Ok, on a réussi.
Waouh, on a réussi. Tu t'en es très bien sorti, Riju. Tu as fait preuve d'un courage remarquable. Eh, je sais. Imagine si Riju était venu avec sa créature divine du futur. C'est surtout grâce à vous, Grand Urbosa. Venez, occupons-nous des derniers gardiens. Ok, donc ils vont s'occuper de ça. Et moi, maintenant, je vais passer à pied avec Link. Comme à chaque fois, un peu. Ok. 1200 rubis en plus. C'est parfait. De toute façon, au pire, si on veut farmer, on pourra refaire les missions, je crois. Quel bordel. Oh, ça y est, enfin ils sortent de terre, eux. Tous les morts qui sortent de terre. Compliqué cette affaire. Ils sont vraiment coriaces. Grand Urbosa, il faut continuer. Tenons leur tête aussi longtemps qu'on pourra. Tu es bien une vaille, Gerudo. Quelle détermination. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il vient nous aider. Ah, tout le monde arrive. Ah ouais, d'accord, ok. Là, c'est Avenger. Tout le monde débarque. Oh, ça va être stylé. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Ce n'est pas trop tôt. On a failli s'impatienter. Oh là 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 là. Très bien. Et nous, pendant ce temps, on va arriver à pied. De Vanaboris pour contenir le flot des gardiens attaquant sans répit depuis le château d'Hyrule. Pendant ce temps, Link et ses compagnons arrivèrent à la muraille des limites et, profitant de la brèche créée par Urbosa et Riju, passèrent à l'attaque. Let's go! C'est à nous de jouer! C'est à nous de jouer, c'est à nous de jouer. Les missions sont de plus en plus longues, hein, je trouve. C'est cool. C'est très 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 cool. Allez, c'est à nous de jouer, les amis. On va se battre dans les limites. C'est trop bien. C'est trop bien de se battre dans les limites. Je veux voir ça. Oh la vache. Les grands dangers nous attendent. Votre Altesse, de grâce, ne sentez pas l'impossible. Non, mais regardez ce bordel. Non. C'est fou. En fait, là, on est clairement pas à limite. On est au. Mais oui. J'allais dire, ok, on est clairement pas à limite. On va devoir aller jusqu'à les limites. On va devoir faire la route. Alors par contre, je pense qu'ils ont rapetissé la map parce que la route me paraît quand même beaucoup plus longue que ça, normalement. Mais c'est trop bien. Aider les capitaines Iliens. Alors on est parti. On va aider les. Oula. On va aider les capitaines Iliens. D'ailleurs, j'avais pas vu en termes de barre de cœur. On est bien monté en termes de barre de cœur. Hop. Alors. On est parti. La muraille des limites, c'est pas où Link meurt dans Breath of the Wild. Si. Tout à fait. Allez, enfin meurt. Attends. Fatal. C'est la bataille de la muraille. Bah on dirait que oui, donc c'est peut-être là où normalement Link. Link perd, ouais. Ça m'a l'air d'être là. Après on a bien vu qu'il y avait, pas mal d'éléments différents, le fait notamment que quand Ganon se réveille et ils sont au château alors que logiquement ils sont pas censés être au château. Mais c'est trop stylé. Oui, en fait, je sais pas du tout, peut-être qu'on va pas aller dans le village, je vous dis une bêtise en fait. Moi, et limite, c'est vrai que je pense au village, mais en fait, pas seulement, il y a aussi la muraille. Donc en fait, je pense que ce qu'on voit à droite, c'est tout simplement, effectivement, plutôt la muraille. On va pas aller dans le village, je pense pas. Donc on se débarrasse. On se débarrasse de lui. Allez! Ok. Ah, du coup, on n'a pas réussi. Nice. Ok. Ici, on est bon. On va continuer à aller voir là-bas. Oh, quel bordel. C'est tellement beau. Oh, les morts. Les morts sont là. Ça, c'est cool.
va passer par l'intérieur ici. Yo. Ah mais j'ai pas ce qu'il faut malheureusement. C'est pas grave, on lui a mis ce qu'il fallait. C'était un linel de feu, j'avais pas vu. C'était un foutu linel de feu, moi je suis arrivé, boum, et c'est passé. Je croyais qu'au début c'était un mobline moi. Vas-y viens. Attention, on va attendre qu'il utilise son pouvoir. Ah dommage. Malheureusement on l'a pas touché. Je vais essayer de faire les bonnes esquives. On touche. Gros mobline là un peu ouais. Je crois que là, on est tombé sur un gros mobline. Ok, on continue. Ok, ça touche. On est bien, on est bien, on est bien. J'essaye de faire un petit peu les coups que vous me disiez, mais c'est chaud des fois. Attention. On va faire ça. Coup de poing faible. Ouais, normalement c'est là où Link se retrouve submergé par les gardiens, ouais. Je pense. Normalement c'est censé être là. Allez. On va pas utiliser notre pouvoir sur lui alors qu'il est presque mort. C'est bon. Ok. Donc ça c'est fait. Jusque là, on est bien. J'essaye les combos que les gens m'ont dit, mais bon, c'est dans le feu de l'action des fois. Juste un très léger temps à chaque fois, donc pas forcément évident. Mais bon, au final, on s'en sort très très bien comme ça, donc il n'y a pas forcément besoin d'outre mesure. J'essaye de les caler depuis tout à l'heure, c'est justement ce que j'essaye de faire. Alors, faut que j'aille vers où? Nouvel objectif, ok, par là-bas directement. On est parti. Excusez-moi, je voudrais passer. Merci. On va peut-être se heal un petit coup parce que. Pas que mais. Ah alors les gars, comment je traverse cette muraille? Normalement, faut que j'avance comme ça. Nouvel objectif défini. Éliminer les gardiens, yes. On est parti. Bonjour. Mais c'est pas la muraille des mythes tombée au moment de l'ennemi. Vas-y, il a pas attaqué. Ok, vas-y, on continue. On continue, on continue, on continue. Et de 1. Et puis c'est bon, logiquement, on fait le coup de grâce. On va juste appuyer sur X, ça te changera la vie. Ah, mais j'ai essayé plusieurs fois aussi d'appuyer sur X. Hein. J'essaye, vous inquiétez pas, les amis. Mais genre, vraiment, en fait, j'apprécie déjà le gameplay que je joue actuellement. Hein, genre, vraiment. Je cherche pas forcément à me faire changer mon gameplay. Genre, je m'amuse comme ça, ça me va très bien. Hop, attention à lui quand même. C'est bon, on apparaît. Ah, ils sont chiants quand ils sont en l'air comme ça. Attends, attention à la vie quand même. Attention à ma vie. Vas-y. Est-ce que là on est bon pour le coup fatal? Non, toujours pas. C'est bon, ça y est. Non, toujours pas. Attention. Au pire, on va l'avoir comme ça. Au pire, le capitaine Lien est en difficulté. Ouais, ouais, j'arrive. C'est bon, ça c'est fait. Ok. Nous devons rejoindre la muraille des limites de toute urgence. Bah, j'y suis. Ah, ça y est, attention. Cinématique. Cinématique, cinématique. Oh. Oh oui. À présent, vous allez périr. C'est votre destin. Oh my God.
cette scène. Votre Altesse, par ici. Il va vraiment les 1v4. C'est peut-être le moment de sortir ton pouvoir, Zelda. Ah mais les combats dans ce jeu, les combats en cinématique de Link sont incroyables, je trouve. Je ne peux pas. Votre Altesse. Allez, ton pouvoir. Voilà. Bon, effectivement, du coup, elle le manifeste pas du tout de la même manière, mais au même endroit. Et aussi dans, pour la même volonté. Son pouvoir se sera à chaque fois manifesté en voulant sauver Link. C'est quand même marrant, ça. Qu'est-ce que... Damn. Enfin, les frissons, là. Ouais, les frissons. Ok, on est parti. On est parti. Donc je peux les frapper directement avec mon pouvoir. Là, j'attaque directement avec mon pouvoir. Levez-vous, ombre de Ganon. Éliminez cette maudite princesse. Non, non, mais c'est mort. Allez. C'est mort, gars. C'est mort. Merci, Imzit. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ok, libérez son pouvoir. Permet d'exécuter de puissance attaque. Oh, regardez comment elle se déplace. Oh, j'aime trop. Ah, elle est incroyable. Ah, ça y est, elle est devenue incroyable. Oh, elle est devenue beaucoup trop forte. J'aime trop, avec la musique, incroyable. Bon, j'arrive. Où sont les autres? Ils sont où les deux autres? Libérer son pouvoir. Où sont passés les deux autres? J'en ai tué que deux. Là c'est bon je crois. Nouvel escadron de gardiens approche. L'ennemi n'est pas encore vaincu. Des gardiens de feu, des gardiens de glace. Quoi? Ok. J'avais envisagé cette éventualité, écoutez bien ce que j'ai à faire. Alors, je peux reprendre Link si je veux, mais non, attends, regarde Zelda là. Les monstres ont pris plusieurs avant-postes du coin, il faudrait y aller y installer ces dispositifs. Quand tu veux. Nouvel objectif, ok. Ok, alors. Link, tu vas ici. Révali, parce que c'est vrai que t'es avec nous, on t'avait oublié. Tu vas ici. Et Zelda, elle va là-bas, c'est parti. Est-ce que je peux aller plus vite que ça? Oui, c'est bon, elle va aller plus vite. J'aime trop. C'est beaucoup trop bien. Comme elle court, elle me fait rire. Allez, c'est parti. C'est quoi cet endroit, genre? On ne connaît pas celui-là. On est parti. Bonjour. Ah, maintenant, il n'utilise plus la tablette, il utilise tous ses pouvoirs. Gardien de feu. Alors, il n'y a pas de souci. Comment ça te tirer? Ah oui. Eh, j'ai mon pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Cette puissance, votre Altesse, je le savais! Ah, fais voir son pouvoir, c'est plus du tout le même gameplay là. La Triforce. Ah, elle est trop cheatée! Elle est beaucoup trop cheatée! Regardez ça! Elle est beaucoup trop cheatée! Allez, ça change de la tablette Sheikah, hein. C'est incroyable! J'aime trop. Ce gameplay Zelda est incroyable. Surtout quand tu débloques des combos en plus. Ah non mais j'imagine. Hop là. Petit point faible. Trop bien. Allez, ça c'est fait. On va lui dire d'aller là. Est-ce qu'elle peut le faire d'elle-même? Ah non, c'est seulement si je switch de perso. Ok, Link, qu'est-ce qui se passe? Parfait! Celui-là pourra nous être utile plus tard. Gardez-le précieusement. Ok. Ok. Voilà, attendez, parce que déjà, là... Est-ce que Zelda y va? Ouais, Zelda y va! Attention à ma vie. Zelda y va, j'ai l'impression. Donc c'est parfait. Elle y va d'elle-même. Parce que j'avais mis la flèche, même si j'étais encore sur elle. Donc c'est parfait. Ok. Quoi?
Je me suis protégé. Ah merde, je devais être en train de faire une roue. Allez, 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 allez. Alors attention à la vie quand même. Attention à la vie. C'est quoi ces gardiens de foudre là? Je vais essayer de faire les ennemis déjà. Un petit peu pour essayer d'avoir mon... C'est bon, je l'ai eu. J'annonce Zelda versus Ganon. Ah, on va voir. Ça peut être incroyable ici, moi. Ok, coup de poing faible. Non, merde. J'ai pas fait le coup de poing faible, je suis bête. J'ai fait ça, et du coup, maintenant, je peux faire le coup de poing faible, c'est bon. Et du coup, le gardien, ça dégage. Ok. Ok, ok, ok. Alors, Link. Link, tu vas aller là. Et on va quand même switcher sur Revali. J'ai compris. Ok, alors attention. Tu vas pouvoir le toucher comme ça. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Yeah. Trop bien. On va revenir au sol. Il reste encore deux endroits où installer les dispositifs. Je suis en cours, t'inquiète. Je suis en cours. Non, non, on bouge plus. Hop, on retire. Attention à la vie. On a trouvé... Ah nice, on a eu plein de trucs. On a eu plein de trucs pour ce heal. C'est parfait. Vas-y, envoie lui les bombes. Ah merde, j'aurais dû... Tant pis. C'est pas grave. Link arrive bientôt. De toute façon, Zelda est bientôt au dernier aussi. Ok, on a bloqué. On s'en débarrasse. Bon, vivement que Link nous rejoigne quand même. On bouge plus. Nice, allez. Allez encore. Ah dommage. J'étais presque. C'est bon, coup point faible. Ah oui, vous allez forcément être spoilé si vous suivez. Si vous n'êtes pas à jour, hein, bien sûr. Allez. En vrai de vrai, Link va plutôt là-bas. Et Revali aussi. On va finir ici, mais juste après, servira à rien, autant y aller. Attention. Prenez-vous ça. Moi aussi, je pourrais y poster. Et le petit pouvoir qui va le terminer. Ok. On est bon. On passe sur Zelda. D'accord, ok, j'arrive, Zelda, elle se fait double visée, tout va bien, elle a déjà son pouvoir à fond. Tout va très bien. Visiblement, ça se passe bien pour la princesse. Pardon, je viens de one-shot un gardien quasi. Attendez, mais il se passe quoi là? Comment ça se fait qu'elle fasse si mal? Fuck. Oh, regardez. Ah non, mais c'est incroyable les coups qu'elle met par rapport. Regardez par rapport à Revali comme je descends vite. C'est hallucinant les coups qu'elle met. Bah après, j'ai envie de vous dire. Bah voilà. J'ai envie de vous dire, voilà, une fois qu'elle a éveillé ses pouvoirs, c'est le perso le plus puissant du jeu, c'est pas étonnant, mais le dysfonctionnement devrait les stopper dans leur course. Seulement il y a un hic, bah Astor peut-être, non? Au hasard. L'alimentation des dispositifs est perturbée, je vais devoir réinitialiser depuis le labo, donc on doit aller à la limite. Est-ce que ça va apparaître? Ok, Prua fait route vers le laboratoire d'essai. Tu ne vas pas traverser le champ de bataille toute seule, nous allons escorter Prua. D'ailleurs Prua qu'on n'a pas joué. Prua on l'a pas du tout joué, vous notre frère. Ok, nouvel objectif. Alors, nouvel objectif, on y va. Est-ce qu'on est prêt jusqu'au laboratoire? Wow. Vous allez vous calmer. Oh, ah, vous avez vu un coup comme ça. Salut Link. Tu vas pas dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Link, viens ici. Prua est là. Et. Bon, on va aller sur Prua. Et toi aussi, du coup, viens ici plutôt. Ok, alors. C'est fou, regardez. Un petit coup. Yo. Ah non, là, vous êtes pas mort. Ah, ça dépend. Ça dépend des mecs. L'ombre de foot de Ganon apparaît sur le champ de bataille. Ah! Alors, tu es où? On a quoi ici? Ah, ici, c'est le laboratoire d'essai, d'accord. Donc, il faut ramener. Prua ici. Est-ce que ce serait eux, les interférences? Vous voudriez pas les éliminer? Tu permets? Tu permets 2 minutes? Éliminer l'ombre de foot pour pouvoir activer les dispositifs. Je suis en cours. Elle est où l'ombre de foudre? Déjà, on va aller chercher Prua. L'ombre de foudre doit être devant, non? Je rêve où il y a 50. Bonjour! Bonjour! Ah, l'OST est incroyable. Ok, vraiment. La défaite du capitaine est imminente. Ah oui, alors.
Le problème, c'est que si je perds le capitaine... Attendez, parce que là, je suis un peu sur... C'est-à-dire que bon, la défaite du capitaine est imminente alors. Je me rouille. Je laisse les deux autres se battre, voilà, Zelda se bat, c'est très bien, mais c'est pas la meilleure ennemie de tomber aux forces ennemies. Eh gars, je peux pas tout faire. Putain, il se prend un Lynel sur la gueule. Je peux pas tout faire non plus. Yo. Eh, Lynel blanc, ouais. Oh, 2 minutes, j'arrive. Permettez. Ok, donc pendant ce temps, toi, tu vas aller... Non, tu vas... Eh, c'est moi ou elle la descend toute seule, l'ombre de fou, je crois. On va vite fait aller aider le capitaine là-bas. Je crois bien que c'est par là, hein, il me semble. Comment je passe? Je passe par là. Et ensuite ici. Quel bordel c'est? Alors le capitaine. Ah oui, alors. Oh merde. Vas-y, tu vas gérer. Ouais, excuse-moi, j'ai déjà un autre problème. Mais l'ombre de foudre, par contre, faut se calmer. Hein. Tiens, j'envoie des bombes moi aussi. Hein. Ah, l'ombre de foudre, elle déconne pas. Comme d'hab, j'ai envie de dire. J'ai plus de heal. Oh la vache. Envoie les bombes. Zelda, ce serait pas mal que t'aies ton pouvoir là. Parce qu'on se prend quand même beaucoup de mecs là. Sur la figure. Ok. Plusieurs fois. Tirer. Voilà, compliqué ça. Ça a l'air quand même complexe cette affaire. Vite, attaque, coup de point faible, vas-y, coup de point faible, bute-le, s'il te plaît. Est-ce que ça le défonce? Ça lui a rien fait? Putain, ça a pas visé le bon. Tuez-moi. Je crois que ça a pas visé le bon. Ça prend pas les bombes. Pareil, les bombes. C'était maintenant, mais. Ma vie. Ok, bien. On y va. Sinon, on enverra quelqu'un d'autre, mais... Ok, go, coup point faible. Vas-y, bute-le. Termine-le, s'il te plaît. Pas du tout. Et j'ai malheureusement plus de... Oh là 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 là. Vite. Tu le renvoies. Qu'est-ce qui m'a heal? Parce que je suis passé au niveau supérieur. Oh, cette moule. Cette moule incroyable. Je suis passé au niveau supérieur, ça vient de me heal. Allez, ciao. Voilà, ça c'est fait. Ok, aidez Prua. Mais alors, Prua, t'es où? Prua, viens. Prua a repris son mouvement, parfait. Elle est où, Prua? Elle est là-bas. Mais Link, et tout le monde est là en fait. Bon, pourquoi pas. Ah, alors bonjour, ouais, j'y vais, vous inquiétez pas. Au revoir. Merci d'être venu. Ciao. Voilà, ça dégage. Non, mais quand je vous dis que ça dégage. Allez-y, vous pouvez passer, c'est bon, on peut passer. Bon, du coup, les capitaines d'Hyrule, souris, hein. Souris, ne souris. Hein. On pourra jouer Zelda en mode pouvoir, bah j'espère bien. J'espère. Et encore là, je vais pas. Il va falloir que je booste ces niveaux et tout le reste, hein, donc. Quand même, mais bon. Allez, elle y est presque. Regardez comme Zelda, elle avance. L'ombre de vent de Ganon apparaît sur le champ de bataille. Ah. Du coup, tu vas me saouler, bien sûr. T'es deux. Non, t'es vraiment là. Ok, l'ombre de vent de Ganon. On est parti. Go. Ah, en plus, on l'a mis en rouge, c'est parfait. Go. Confirmons la présence d'un escadron de gardiens et se dirige vers nous. Bah, 2 minutes. Je fais... Je pars au plus pressé, d'accord? Ok. On tire. Ok, on fait l'attaque. Honnêtement, je sais pas qui est la plus puissante entre Zelda et Link. Je pense que c'est Zelda. Là, actuellement. Malgré le fait que Link ait une épée qui soit boostée de ouf, je pense que là, c'est Zelda la plus puissante. Et puis même, son gameplay est beaucoup plus agréable qu'au début avec la tablette. Ça n'a plus rien à voir. Esquive. Par contre, les deux, là, vous voulez pas, genre, m'aider à l'attaquer? Ce serait quand même plus sympa de m'aider à l'attaquer. Oh, en plus c'est au moment où... Non, c'est pas passé, genre.
Ah, je suis désolé, mais là c'était vraiment au moment où tu m'as demandé le truc. Vas-y, y'a Revali qui attaque. Les deux attaquent, c'est bon. On a un mobline d'argent autour de nous, tout va très bien. On a plus beaucoup de vie, on s'en rappelle. Vas-y, fonce, 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 fonce. Ah non, c'est sur le mobline. Merde. Donc ce que je veux, c'est l'ombre devant. Esquive. Ok, les aliens sont dessus. J'ai malheureusement rien d'autre. C'est chaud. Hein. Vite. Changement. Changement, sinon ça va être compliqué. En termes de vie. Allez, vite. Ah, c'est pas passé, merde, je me suis fail. Ah, mais il est presque mort. L'ombre devant. Ah, ici, là, on a plus non plus. Hein. C'est comment ça? Attention à ta vie. Enfer. Ouais, je sais qu'il faut que je fasse gaffe au fort, mais bon. Compliqué. Il y a beaucoup de choses ouais, sur le fort tout à droite, je sais bien. Je vais peut-être essayer d'y renvoyer Revali vite fait, mais... Pour l'instant, on essaye de terminer lui rapidement. Il est mort. Tu as du talent, il faut bien le reconnaître. Pas autant que moi, mais du talent quand même, toujours, hein, toujours cette phrase. Ok, allez, vite. Prua. Plus d'interférences et nous voici à bon port, merci de m'avoir accompagné. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que t'as réussi ou pas du coup? Ou est-ce que je pendant ce temps du coup on va vite fait faire... Attendez, on va envoyer Revali très vite là-bas. Ok. Tu auras d'autres occasions de me faire la morale. Là c'est parti pour mes dispositifs. Vas-y. On laisse faire. La flamme bleue. Ok, le gardien et ses éléments ont été interrompus en mouvement vers la muraille des limites. Ok, parfait. Ça a marché, notre petit ami ne semble pas avoir été affecté. Tant mieux, bah heureusement le pauvre. Alors moi je n'ai plus de vie, hein, comme d'habitude. Ce n'est que temporaire, si on approche sans précaution, ils attaqueront à nouveau. Ok. Moi déjà j'aurais besoin de heal, ce serait sympathique. Inutile de rester ici plus longtemps, profitons-en pour nous replier. Apparemment ça ne va pas être possible. J'ai l'impression. Un gardien inhabituel est apparu sur la plaine. Bah oui, bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de l'arrêter. Oh putain. Ok, go, on y va. Un gardien de rancœur. Oh non. Un gardien de rancœur, il est où le gardien de rancœur? C'est pas lui le gardien de rancœur. Si, là-bas. Ok, bon, alors. Il va falloir se le faire. Vu ma vie, ça va pas être simple. Il va falloir se le faire. Go, 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 go. Allez, go, vite, 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 il faut arrêter. Vite, 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 arrête-le. Ok, donc là on va pouvoir faire un double coup. D'abord ça. Ok, et ensuite, dans la foulée. Mon pouvoir. Ok, il est mid-life. Allez, on continue comme ça, on est bien. On refait le coup juste après. Voilà, j'ai fait exprès. 3, 4. Ok, on est bien. Allez. Point faible. Pour au bout là où il y a la flamme bleue. Ah. Il va en avoir un qui doit être dans le coin, on va voir. Ça dépend si ça termine ou pas la mission. Attendez, je termine lui. Je termine lui déjà, histoire d'eux. Et puis attendez, je peux pas faire un truc bizarre. Tiens, vas-y Zelda, deux secondes. Tant qu'il fasse le truc. Pour vous là où il y a la flamme bleue, on va aller le prendre. Pour vous là où il y a la flamme bleue. Où ça? Où ça? Ah! Effectivement. Petit Korogu. Ça m'en fait un en plus. Ok, nice. Alors vas-y Link. A toi de le finir. Ah non, j'ai cru que je m'étais fait douiller. J'ai vu la barre mais c'était pas le bon gardien.
Et on a fini. Ouh. Ah, cette quête était stylée. Cette quête était stylée, disons-le. Tant que le fléau Ganon n'aura pas été scellé, nous ne pourrons nous permettre aucun répit. Ah, mais du coup, est-ce qu'il reste pas justement que Ganon? Je sais pas, on va voir. On va voir. Du coup, on devrait bien monter en XP là. 48, Révalier est monté 39, c'est bien. Ah, Zelda, elle est montée à notre niveau aussi. Nice. Les gigots. Et plein de choses. Bien. Parfait. Voyons voir. Du coup, on a survécu à cette nuit. C'est là où Link aurait dû perdre normalement. Maintenant que le fléau Ganon s'est éveillé, nous devons nous préparer à affronter une épreuve comme nous n'en avons jamais connue. Surtout, ne baissez pas les bras. Ne perdez pas espoir. Nous allons faire face. Hyrule a le chevalier purificateur. Elle a les créatures divines et les prodiges. Les musiques. Et enfin, elle vous a, vous, vaillants soldats. Alors, je vous le demande, suivez-moi. Je vous le promets. Grâce à ce pouvoir qui s'est éveillé en moi, je scellerai le fléau. C'est ici, à la muraille des limites, que commence notre bataille. Quel chef. Sauvons Hyrule. Battons-nous pour le salut de tous ses habitants. Juste dommage peut-être de ne pas avoir eu plus de retour de sa part sur le... Oh, elle est trop belle cette image. Sur le retour de son pouvoir, quoi. Elle l'a débloqué, puis boum, c'est bon, elle l'a, maintenant c'est acquis. J'aurais bien aimé un petit truc du genre, ils en discutent entre eux, genre, ah, enfin, je l'ai et tout. C'est vrai que quand même, ça va peut-être arriver, ceci dit. C'est trop cool. Alors, de quoi voulais-tu me parler? C'est un traître. Encore toi? Tu fais allégeance? What? Soit il s'est foiré, soit il fait allégeance. Je ne sais pas. En tout cas, hein, confirmation que Zelda, son pouvoir s'éveille lorsqu'elle doit sauver Link à chaque fois. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Bon, grand Koga, on va pouvoir le jouer? Chef suprême des Yiga, le chef suprême du gang des Yiga laisse en général ses subordonnés combattre et passe son temps à dormir. Mais les membres du gang lui vouent malgré tout une grande admiration. Il se joint à l'armée d'Hyrule pour venger ses camarades qui ont péri. Ouais, il veut se venger d'Astor. Mais du coup, qui est devenu Soupa? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est devenu Soupa. Bon, très bien. Très bien, nous avons Koga parmi nous. Je sais pas si on l'utilisera, mais nous avons Koga. Wow! Doucement là, tout ce qu'il y a à faire, non? Il va vraiment y avoir 900 missions à faire. Genre, c'est terrible. Soupa est probablement mort. Probablement. Du coup, là, on aura secours au plateau du prélude. Ok. Niveau conseil 49. Bon! Très bien! Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se dit à très vite de toute façon pour le prochain. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Sif, portez-vous bien. Ciao.